Bonjour tout le monde. Ah, elle avait une question. En fait, est-ce qu'on a le droit de filmer? Pardon? Est-ce qu'on a le droit de filmer nous? Oui, aucun problème. Oui. Oui. OK. Je ne filme pas les caméras. Pas les caméras. Alors, bonjour tout le monde. Oui, je veux pas faire une conférence de 3 heures, j'en fais déjà assez souvent, là. Ça va vraiment être sur la pratique, mais je vais faire une petite introduction de 5 minutes avant faire les 2 danses que j'ai prévues. Donc, la première, c'est Quadrille des Lanciers. La deuxième, c'est le Monémos. Alors là, je vous présente que la première, juste pour être sûr que, historiquement, vous placiez un peu. Alors, le quadrille, en général, hein, c'est une forme de danse qui émerge à la fin du 18e siècle en France. Hein, ça vient d'un... En fait, ce qu'on appelle quadrille, c'est un pot-pourri de contredanse française. Les contredanses françaises, ça a commencé au début du 18e. La première contredanse française, publiée en 1706 dans Raoul Auger Feuillet. Il va y avoir un examen à la fin. 1706. C'est le cotillon. Et... Vous connaissez, et d'ailleurs, le cotillon, moi, mes enfants, on chantait ça à la garderie. Vous connaissez sans doute la mélodie. Ma commère, quand je danse mon cotillon, va-t-il bien m'attarder? Au Québec, c'est oui, monsieur Pau, oui, monsieur Lee, oui, monsieur Chi, oui, monsieur Nel, oui, monsieur Polichinelle. Ça, c'est un. Donc, c'est un air qui, en 1706, était déjà un tube, comme on dit en France. Et que le maître à danser, Raoul Auger Feuillet, il dit, c'est tellement populaire, je vais composer une danse sur ça. Donc, ça veut dire qu'elle datait du 17e. Et c'est le cotillon. Et ça va donner naissance à des danses en carré de 4 coupes. Donc, c'est là que ça apparaît. Là, c'est sûr, si vous faites vos recherches, est-ce que vous faisiez vos recherches comme c'est devenu? Si vous faites vos recherches, vous allez voir que dans les country dance anglaises, il y avait quelques cas de danse qui était en carré, mais qui n'était pas sur la formule d'un refrain et un couplet. Là, je rentre dans les détails, mais disons, la contredanse française, c'est des danses en carré, et ça va évoluer tout le long du 18e, puis là, il va en avoir à l'Opéra de Paris, à un moment donné, moi, j'ai fait ma maîtrise là-bas, puis on avait 900 contredanses de publiés, en gros, en 1706 et 1780. 900 contredanses. C'est énorme. Et là, ils sont mis à faire des pot-pourris. Puis là, je condense un peu l'explication. Et ces pot-pourris-là ont donné naissance au quadrille. Et donc, c'est le quadrille français. Si vous allez dans différents endroits du Québec, nos formes traditionnelles de quadrille viennent tout à fait de ces danses-là. Hein? Et donc, vraiment au tournant du siècle, fin du 18e, début du 19e. Mais pendant les guerres napoléoniennes, ça se diffusait. En 1815, les Anglais, ils ont dit « Oh, les Français, ils ont leur quadrille, nous, on est capable d'en faire un. » Et il y a la publication en 1815 du Quadrille des Lanciers. Et le Quadrille des Lanciers, ça va marquer tout l'Occident. Hein, vous allez trouver... moi, j'ai dansé les Lanciers en Guadeloupe, il y en a aux îles Seychelles, évidemment, il y en avait partout, de Moscou à Rome. Les Lanciers, ça s'est répandu partout, en Amérique du Nord, évidemment. Et en plus, la cinquième partie, c'est elle qui donne le nom, parce que c'est là qu'on a la nouvelle figure des lanciers. On va la retrouver aussi dans plein d'autres danses. Alors, si vous allez, par exemple, à Inverness, hein, vous allez à Inverness, vous regardez les danses traditionnelles qu'il y a là-bas, vous allez voir qu'il y a une figure de lancier à la fin de cette carré. C'est sûr, si vous allez à Valcartier, à côté de Québec, vous avez... Là, le lancier au complet en 5 parties par la famille Verrette. Donc, les lanciers sont restés soit dans leur forme complète, lancier, ou bien la 5e partie qui est comme ce qui donne le nom à la danse, on la retrouve dans plein de 7 carrés. Le 7 carrés, ça, c'est l'évolution aux États-Unis de la contredanse française, puis qui va arriver au Québec dans les années 20, là, entre les années 20 et 30. C'est juste une petite introduction. Avez-vous des questions avant qu'on se mette à danser? C'est bon? OK. Alors, j'ai essayé de résumer. On a 2-3 pas à apprendre. Placez-vous en cercle. On va apprendre nos pas avant de commencer à faire le quadrille. Tout le monde est un peu réchauffé, hein? Oui. Je sais que vous avez... Hier jusqu'à 4h30, ce que me dit Guillaume. OK. Alors, dans...
dans le quadrille, au 18e, il y a les pas français dedans. Un pas français, c'est, on fait, ça c'est, si on appelle ça un contretemps de cavotte, il y a le pas de rigodon, ta ta ta. Évidemment, il y a le demi-contretemps, il y a le pas de bourré. Mais dans le quadrille 18e, à 19e, ces pas-là ne sont plus là. Sauf là, parce que là, moi, je me suis mis avec Guillaume, il disait 1815. En 1815, le pas, quoi, il peut avoir un soutillé, si on veut, mais dans ce cas-là, il n'y en aura pas, mais le pas de rigodon. D'autant plus que c'est très intéressant au Québec, parce qu'on dit ça, un rigodon. Sans trop savoir ce qu'on dit, on dit, « Hey, dans le temps des fêtes, on a fait un rigodon. » C'est devenu un terme générique au 19e, mais en fait, le rigodon, c'est un pas. Puis on va le mettre dans le quadrille, parce qu'en 1815, on a des sources. Il faisait encore le rigodon, puis on a besoin pour la fin de la grande chaîne. Alors, vous allez voir, c'est pas compliqué. Puis on a besoin de ça, puis du chassé, c'est tout. Alors, le rigodon. Puis on va commencer avec le chassé, c'est facile. Donc, le chassé, hein, c'est juste ça. Un, deux, trois, quatre. On fait trois chassés, puis un assemblé. Ça fait chasse, deux, trois, assemble. On essaie ça, on s'en va tous à gauche. Regardez, le chassé, ça a l'air compliqué, mais vous mettez votre pied gauche à terre, puis vous poussez. Faites-en plusieurs. Un, deux, trois, quatre. Hein, c'est pas compliqué. OK. Attention, on essaye à droite. Trois, quatre. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Bon, c'est juste ça. Alors, si vous devez faire trois chassés, vous faites un, deux, trois, assemble. À la fin, vous assemblez les deux pieds ensemble. On essaie trois chassés à gauche, un assemblé. Trois, quatre. Chasse, deux, trois, quatre. OK. Bon, généralement... Oui. Avant de partir, au lieu de partir sur le temps fort en faisant un, vous pourriez faire et un. Hein, ça veut dire que vous faites un sursaut. Mettez-vous sur le pied droit. Hein, ceux qui sont en face, c'est l'inverse. C'est ça. Vous faites saute, puis après ça, vous partez. Donc, on fait saute, chasse, deux, trois, assemblée, trois, quatre, et un, deux, trois, assemble. On essaie la même chose. Toujours à gauche. 3, 4. Et 1, 2, 3, assemble. Encore une fois. Attention. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va essayer la même chose. Le petit, ça va? On fait la même chose en allant à droite. Donc, on va sauter sur le pied gauche. Vous allez poser sur gauche. 3, 4 et 1, 2, 3, assemble. Encore à droite. 3, 4, saute. 1, 2, 3, 4. Bon. Maintenant, l'enchaînement de la danse, selon si vous êtes une femme ou un homme, ça va aller d'un bord ou de l'autre. Bon, on va apprendre les deux. Vous allez faire 1, 2, 3, assemble. 1, 2, 3, assemble. On commence à gauche. On revient à droite. À gauche. À gauche. Attention, 3, 4. Et 1, 2, 3, assemble. 1, 2, 3, assemble. C'est bon? On va faire l'inverse maintenant. À droite et à gauche. 3, 4. Et 1, 2, 3, assemble. 1, 2, 3, assemble. Alors, si vous êtes un homme, vous faites à droite, à gauche, à gauche, à droite. Vous allez faire 1, 2, 3, assemble. 1, 2, 3, assemble. 1, 2, 3, assemble. 1, 2, 3, assemble. À droite, à gauche, à gauche, à droite. On essaie ça? Tout le monde. Ben, les hommes, les femmes. On commence à droite. 3, 4. 1, 2, 3, assemble. Encore du côté gauche. 1, 2, 3, assemble. 1, 2, 3, assemble. Si vous êtes une femme, vous faites
juste inverse, à droite, à gauche. On y va tout le monde? À gauche. 3, 4, 1, 2, 3, assemble. Vous recommencez encore côté droite. 1, 2, 3, assemble. 1, 2, 3, assemble. Et voilà. Alors, ça, c'est le chassé. On a besoin aussi du pas de rigodon. Alors, le pas de rigodon, ça sert à... Il y a eu des rigodons composés par Pierre Rameau, qui était le grand maître à danser au 18e. Donc, c'est des danses à deux, avec plein de pas. Il y a le pas de rigodon déjà dans le rigodon. Donc, le pas de rigodon, ça fait partie des cinq pas de la contredanse française. Et c'est resté très tardivement dans nos dans les danses au 19e. Donc, le pas, c'est 1, 2, 3, 4. Fait que, regardez, vous allez commencer en sautant sur le pied. Vous avez le poids sur gauche, vous faites 1 en ouvrant, d'accord? Fait que, évidemment, il ne faut pas trop le faire. Pas développé. Fait que vous faites. Vous faites 1. Donc, ça fait 1, 2. Fait que là, il y a un chassé. C'est comme un petit chassé. Vous faites 1, 2. Et vous restez sur demi-pointe. 1, 2. Hein? Ça fait saute 2. Puis vous voyez, demi-pointe, je suis en haut. On commence ça, on met le poids sur gauche. 3, 4, 1, 2. 3. À 3, on plie, on assemble, fait 1, 2, 3. D'accord? On essaie ça. On a le poids sur gauche. On va ouvrir le pied droit. 3, 4. Saute droite, gauche, saute. Puis à la fin, on saute. D'accord? En plein ça. On recommence ça, on a le poids sur gauche. Poids sur gauche, on va ouvrir droite. 3, 4. Saute droite, gauche, assemble. Et il y a une assemblée avant. Donc, vous faites saute. 1, 2, 3, 4. Donc, on saute à pieds joints, après ça, on ouvre droite. On essaie ça. 3, 4. Saute. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. Attention. 3, 4. Oh, pardon, j'ai pas fait mon saut. Attention. 3, 4. Saute. 1, 2, 3, 4. Une autre fois pour être sûr. 3, 4. Assemble. 1, 2, 3, 4. Alors ça, vous allez faire ça à la fin d'une chaîne, genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Assemble. Ta-ti-ta-ta. Ça recommence avec la chaîne. Alors, placez-vous donc deux par deux. Ça peut être deux, un homme et une femme, mais disons, on va dire que... Là, t'es seul. Et maintenant, rapprochez-vous. Regardez-vous deux ensemble. Rapprochez-vous, donnez-vous les mains. Donnez-vous les mains, tout le monde, dans le cercle. Non, non, en cercle pour rapetisser. OK? Non, l'homme est à gauche. Regardez. Alors, donc, dans le couple, la position de l'homme, c'est la personne de gauche. Par exemple, ici, un homme, puis une femme. Ça va? Alors, même si vous êtes deux femmes, deux hommes, c'est pas grave, mais sachez que l'homme est à gauche, la femme est à droite. Alors, tenez-vous les mains deux par deux, simplement. Seulement deux par deux avec votre partenaire. Deux par deux. Vous deux. L'homme. OK. Alors, est-ce que tout le monde connaît la grande chaîne? Non. Non? On part de zéro. Est-ce que quelqu'un connaît la grande chaîne? Non plus. OK. OK. Placez-vous face à face avec votre partenaire. Et là, donc, je vous l'explique, vous avez sûrement déjà vu ça, une grande chaîne. Faites main droite à votre partenaire, main gauche à la suivante, d'accord? Fait que donnez-vous main droite. Il faut tous partir à main. On commence main droite, puis les hommes circulent dans le sens inverse des aiguilles, les femmes circulent dans l'autre sens. Vous êtes prêts? Attention! Hey. Chut. S'il vous plaît, chut. Il y a une question? Comment on commence? Vous commencez, quelqu'un va prendre ta place. Ça va.
donnez la main droite, puis demain, vous passez à main droite, puis vous allez à la suivante, main gauche. Attention, on va partir ensemble. Hey, hey. Revenez chez vous. Attention. Alors, je vous donne 4 temps d'intro. Attention. 1, 2, 3, c'est parti. Droite. Go. On change de main à chaque fois. Gauche. Droite. Gauche. Un. Arrêtez quand vous rencontrez votre partenaire. On arrête là. C'est bon. C'est bon. Alors, tout le monde a fait un demi-tour. Maintenant, vous allez faire ça avec le pas. On va faire un pas très simple, juste droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. La même chose, vous allez encore refaire une demi-chaîne. Une demi-chaîne, ça veut dire que vous arrêtez à la rencontre de votre partenaire à l'opposé du cercle. On y va? On se donne la main droite? Le pas, c'est juste droite, gauche, droite. OK, on va le faire une fois. Hey. Donnez-vous les mains en cercle. On va partir vers la droite. Donnez-vous les mains en cercle. Okay. Rapprochez-vous. Ah, il y en manque une, OK. OK. On va s'en aller vers la droite. En partant avec le pied droit. 3, 4. Droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche. 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 Hein? Alors, si vous étiez au 18e, dans les contredanses françaises, c'est le pas de bourré qui était plutôt 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Vous voyez, le deuxième, ça faisait 1, le 2 dépassait le 1. Mais au 19e, c'est 1, 2, 3. Donc, le 2 arrête à côté du 1. Hein? Vous le faisiez, posez-vous pas de questions, vous l'avez bien fait. Donnez-vous les mains. Et là, on va refaire la même chose vers la gauche, mais il ne faut pas essayer de changer de pied. Donc, si vous allez vers la gauche, commencez à jouer au pied droit. 3, 4. Droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche. Droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Attention, tu rajoutes des temps. Hein? Ouais, c'est juste 1, 2, 3. Des fois, tu fais un tour. OK, c'est bon. Alors, tant qu'à faire, on va faire l'enchaînement exact de la grande chaîne. Vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rigodon, tom, pom. Ça va? On fait 12 temps vers la droite, puis rigodon de 13 à 16. On se donne les mains? Oui, oui, comptez. Non. On se tout le monde ensemble pour le moment. On circule à droite. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7 et 8. 9 et 10, on fait des rigodons. Ensemble, 2, 3, 4. Ça va bien? On se redonne les mains. On fait la même chose vers la gauche. Est-ce qu'on tient les mains même quand on fait les rigodons? Oui, mais pour le... Bon, là, en fait, on fait juste pratiquer, il n'y aura pas de main du tout. On part avec le pied droit pour aller à gauche. 12 temps, rigodon. 3, 4. Droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche. Droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche. 9, 10, 11, 12. Ensemble, rigodon, ta. Ça va? Là, maintenant, on va le faire avec la grande chaîne. Donc, placez-vous face à face, deux par deux. Vous allez faire la même chose dans un quadrille de quatre coupes. Pour faire une demi-chaîne dans un quadrille de quatre coupes, ça vous prend 12 temps. Bien là, évidemment, je le fais tout le monde ensemble. Vous allez arriver quelque part. Qui va être la quatrième personne? Par exemple, tu vas arriver avec 1, 2, 3, 4, sans doute avec elle. Vous en passez 4. 1, 2, 2. Vous passez quatre personnes, puis rendu à cette quatrième personne-là, rigodon, ta, 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 ta. On essaie ça? Est-ce qu'on prend la main lorsqu'on arrive à la quatrième? Non. Quand vous arrivez à la quatrième, touchez à rien. Touchez à rien.
Attention, on y va avec les pieds droite, main droite, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rigodon, assemble, 2, 3, 4. Restez là, restez là. Mais c'est pas grave. Oui? Non. Pour ça va être beaucoup plus simple quand on va le faire dans le carré. Et je pense, vous avez appris le chassé, le rigodon, puis la chaîne. On est prête. Placez-vous maintenant en carré de quatre couples. Fait que, on en fait un là, on en fait un ici. Quatre coupes en carré. En carré. Ça prend un coup ici. Un, deux, trois, quatre. En carré. En carré. Non, c'est bon. Vous deux, vous êtes ensemble? Non, mais en carré, parallèle au mur, là. Venez-vous-en ici. Non, ici. Okay. Ici. En carré, là. Là. Non, tu danses avec elle? Oui, c'est la fille. Tiens-la, oui. Tiens-la par la main. OK. Ah, il n'y a pas un nombre juste. Les autres, ils dansent pas? Non? OK. Ah, s'il vous, hey, s'il vous plaît, on va essayer en général de baisser le ton. Donc, il ne faut pas que votre carré soit trop grand. Rapprochez-vous vers le centre. Bon, quoi, vous autres, c'est pas mal. Ça, c'est bon. Bon. OK. Alors, la danse commence par la chaîne. Donc, placez-vous face à face avec votre partenaire. Vous allez faire les 12 temps. Et au 12e temps, vous allez vous retrouver face à votre partenaire à la place opposée. Et vous allez faire votre rigodon. D'accord? Sauf vous autres, là, ça va faire deux tours. On y va. 3, 4. Droite, gauche, droite. T, gauche, droite, gauche. 5, 6, 7, 8. 9, 10, et rigodon. Ta, ta, ta. Ah non, vous avez fait une passe de trop. C'est ça, il ne fallait pas traverser. C'est ça. Et regardez, faut pas la faire. Faut pas aller trop vite sur la chaîne. Je vais prendre ta place. Ouais. Regardez, on va vous le montrer ici. On va vous le montrer les quatre coupes ici. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je prends mon temps, on n'est pas pressé. 9, 10, et j'arrête là. Assemble, rigodon. Ah, mais il faut finir vraiment sur le carré, hein? Oui, oui, c'est ça. Donc le 9, 10, 11, 12, on n'avance plus, on s'arrête. Aussi. Non, c'est que vous allez un petit peu trop vite. Oui, tu sais, il faut prendre son temps. OK. Hein? Prenez votre temps dans la chaîne. On recommence? Attention. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On se donne pas la main. Assemble, rigodon, pomme. OK. Alors, si vous calculez, ça vous fait 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, assemble. Donc, vous faites une main à tous les deux pas ou à tous les quatre temps. Là, vous devrez être à l'opposé. On recommence pour vous ramasser chez vous, sauf vous autres, parce qu'on l'avait fait. Là. Encore la chaîne? 3, 4. 1, 2, on change de main. 1, 2, 3, 4. 9, 10, et rigodon. Assemble. 2, 3, 4. Bien, il y en a encore qui sont trop vite, hein? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On change de main à tous les quatre temps. Avec la musique. Thank you.
Écoutez la musique, partez pas tout de suite. Écoutez la musique. Partez pas. Je vous le montre une fois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ça va? On y va. Et droite. Oh. Gauche, droite, gauche. Droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche. Droite, gauche, droite. Rigodon. Assemble. Deux, trois, quatre. Un. Assemble. Ah, s'il te plaît. Non, juste une fois. OK. Hey, rapprochez-vous. Rapprochez-vous. Ah, c'est facile. OK. Alors, attention, hein. Si, vous savez tous compter jusqu'à 12? Fait que c'est à 13 qu'on assemble. Fait que là, je vois, ça saute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, ta, ta. C'est à 13 qu'on assemble. Là, ça... On le refait une autre fois. Placez-vous en carré. Ah non, 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 pas de suite. Un vrai carré. Vous avez tendance à vous mettre en diagonale, en carré, carré, parallèle au mur. Oui, c'est ça. Du début. Non. Il faut toujours la remettre au début. Regarde. C'est ça. Tu reviens au début. OK. Attention, ça va partir. Hey, droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche. 9, 10, 11, 12, assemble. Ça recommence. 1, 2. Assemble. OK. Merci. OK. Alors, ça va pour ça? Hmm? Comme vous autres, c'est mêlant à quatre, c'est sûr. Ouais. Mais c'est parce que si... Vous voulez vraiment pas danser, là. Parce que si on avait deux couples de plus, les autres, ils essaient, mais ils sont pas capables. Oui, dans le fond. Oui. Ça en prend deux autres. C'est une blessure. Ouais, ouais. Toi, t'as-tu une blessure? Non, je peux. T'as pas de blessure? Toi, t'as une blessure? Hein? Ouais, je pourrais le faire. Ben, il va en manquer quand même. Un, deux. Ah, non! Non, il en manque quand même une. Moi, je. Parce que ça me fait mal auto-sauter. Ça fait mal auto-sauter. Puis si tu sautes pas, tu peux faire semblant. Un, deux, trois. Je peux le faire semblant. Je peux le faire sans sauter, mettons. Ouais. C'est juste à l'article. OK! Ben, pouvez-vous, placez-vous en deux. Placez-vous en deux. Couple deux. Couple deux. L'homme et l'autre bord. C'est pas grave. J'ai pas regardé, là. Alors, là, ils vont être capables de le faire. La figure suivante. On a fait la chaîne, rigodon, la chaîne, rigodon. Ensuite, le couple 1. On vous le montre une fois parce qu'on est habitué. Oui, je connais ça. C'est ça? Alors, le couple 1 va aller tout simplement saluer chacun des autres couples. Le 2, le 3, le 4. On compte 1, 2, 3, 4. Donc, ça va 1, 2, un petit salut. 1, 2, un autre salut. 1, 2, un petit salut. Hein, c'est 4 temps par côté. Et 13, 14, 15, 16, on vient se placer face à la présence. La présence, hein, c'est le haut de la danse. Pendant ces 4 derniers temps-là, le couple qui est à droite du couple actif, hein, pardon, qui est à gauche, le couple 2 va venir se placer derrière nous. Venez vous placer derrière. Le couple qui est à ma droite va se placer en troisième et le quatrième, il est déjà placé. Ça, ça se fait à 13, 14, 15, 16. On doit se retrouver à 16
en colonne, les hommes d'un bord, les femmes de l'autre. On est... Que le couple 1, on se replace en carré. Le couple 1, on appelle ça la présence ou le haut. C'est, on dit toujours le couple qui est près de l'orchestre. Ou, bon. Ça, c'est le 1, 2, 3, 4. Fait que les 1, vous le faites en même temps que moi. Puis n'oubliez pas les autres. Vous faites... Les autres, s'il vous plaît. Le 1 va aller au 2, au 3, au 4. Et à 13, 14, 15, 16, tout le monde va aller se placer en colonne. Le couple 2 va être en deuxième, le couple 4 en troisième, puis le couple 4, le couple 3, il ne bouge pas. Attention, on y va, les couples 1, 3, 4. 1, 2, 3, petit salut. 1, 2, 3, petit salut. 1, 2, 3, petit salut. Tout le monde en ligne, c'est terminé. Ah, je pensais que vous le faisiez en même temps que moi. Eux autres, c'est bon. Hey, on le refait juste pour eux. On le refait avec vous. Attention, on les regarde. 3, 4, 1, 2, un petit salut. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Tout le monde en ligne, c'est terminé. Parfait. Facile. Bon. On se replace en colonne. Placez-vous. Et ça, c'est la figure qu'on appelle les lanciers. C'est ça, l'invention de ce quadrille-là, la nouveauté, la nouvelle figure, c'est cette fameuse colonne-là qu'on appelle les lanciers, qu'on retrouve dans plein de danses après ça au 19e puis au 20e. Et on faisait, bon, les lanciers polonais, hein, c'est comme un escadron, un régiment, les lanciers. Hein, donc, on se plaçait comme ça. Rendu là, là, ce qui va se passer, c'est que les hommes vont passer derrière leur partenaire, faire trois chassés assemblés à droite, puis trois chassés assemblés à gauche pour revenir. Les femmes vont faire la même chose. Bougez pas. Toi, tu veux pas sauter? Bien, je vais faire semblant. Tu vas faire semblant. On fait juste nous deux. 3, 4. 1, 2, 3, assemble. 1, 2, 3, assemble. Comme ça. On laissait tout le monde? Les hommes passent derrière, les femmes devant. 3, 4. 1, 2, 3, assemble. 1, 2, 3, assemble. Et ensuite, on va s'éloigner. Les hommes vont à gauche, les femmes vont à droite, puis on revient. 3, 4. 1, 2, 3, assemble. À votre place, c'est terminé. C'est bon. On enchaîne les deux. On se croise, puis ensuite, on s'éloigne. 3, 4. En croisant, vous assemblez. Attention, on fait l'inverse. On s'éloigne. 3, 4. À votre place, c'est terminé. OK. Ça va? Et regardez, replacez-vous du début de la danse. Si on se donne la main? Bien, on se donne la main, qu'on commence, puis on vient, on part. Il n'y a pas de main. OK. Attention. On fait la danse du début. Ce qui veut dire que grande chaîne rigodon, grande chaîne rigodon, les visites, c'est le premier couple qui visite le 2, le 3, le 4. Tout le monde en colonne, chassé, déchassé. On disait chassé et déchassé. Ça va? Là. Attention! Attention, placez-vous face à face à la main droite. Placez-vous rien. En carré, comme il faut. C'est une grande chaîne. On y va! Je vais vous suivre. C'est bon. Tu fais main droite, main gauche. Tu s'en vas toujours on par là. Change de main. Oui. Okay. Et, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Face à face et rigodon. Assemble. On recommence. Face à face et rigodon. La visite du premier couple. Deux. À ta place, à ta place. Tout le monde en colonne. Chassé. Déchassé. On arrête là. On va le mettre plus fort. OK. Maintenant, ça, c'est la danse facile, hein? J'ai dû m'en faire une facile pour commencer. Puis après ça, l'autre, elle est tellement belle, l'autre. Mais... Donc,
Une fois qu'on a fait ça, là, je fais une petite parenthèse. Si vous vous mettez à faire des recherches sur les formes traditionnelles au Québec, c'est fascinant. Parce que cette colonne des lanciers, vous allez en avoir 15 versions. Là, il y en a plein. Il y en a qui, au lieu de faire, genre, chasser, déchasser, mais vous allez à Inverness ou dans la région d'Inverness. Les autres, ils font encore chasser, déchasser il y a près de deux siècles. Mais dans d'autres régions, ils vont faire plutôt recul, avance. Ils font recul, avance. Au lieu de faire chasser, déchasser, il y en a plein. D'accord, il y a plein de versions. Mais celle qui suit est assez commune. Donc, on a fini comme ça. Là, les hommes vont descendre de leur barre, les femmes de l'autre. On fait juste vous montrer, nous quatre. Les hommes me suivent, les femmes... C'est quoi ton nom? Jenny. Les femmes suivent Jenny. Tu t'en vas par là. Regardez bien. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je lui donne la main. 9, 10, 11, 12. En deux lignes, c'est terminé. Et voilà. C'est pas compliqué. On essaie ça, tout le monde? 8 ans pour descendre, 8 ans pour monter. De connaître les danses. Non. Pas de musique. On laisse tout le monde. Attention, les hommes d'un bord, les femmes de l'autre. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le premier couple se donne la main. 9, 10, 11, 12. Reculez en deux lignes. C'est terminé. Ah, il faut finir en... Hey, vous autres? OK. Maintenant, regardez-nous, les femmes, donnez-vous les mains, les hommes, on va faire 4 pas avance, 4 pas recul, c'est juste nous 4, et 1, 2, 3, 4, et ensuite, regardez bien, on réavance, et là, on donne les deux mains à notre partenaire pour faire un tour, ou un tour et quart, ou trois quarts de tour, pour finir, quoi, ici, nous autres, c'est un demi-tour, donc pour revenir à votre place. Non, regardez, on va faire chaque position. Tu prends ta place? Oui, vas-y. Là, vous avez le couple 2, regardez le couple... Deux, ça fait avance, recul. Quand j'avance, je fais un tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour être prête à refaire la chaîne. Fait qu'il y en a qui tournent un peu moins, il y en a qui tournent un peu plus. Vous deux, vous en allez là-bas. Donc, 1, 2, 3, 3 quarts de tour. C'est qui l'homme? C'était moi, je pense. Hein? C'est elle. Ah, c'est moi. Ah, dans ce cas-là, c'était ça. Et vous autres, faites un tour. OK, on laisse tout le monde. On se donne les mains 4 par 4. Alors, attention, les lignes avancent, reculent, avancent, puis un tour à deux mains, puis se retrouver à sa place, prêt à reprendre la grande chaîne, main droite, main droite. 3, 4. Par en avant, vous présentez, par en arrière, on avance, on se donne les deux mains, un tour complet, à la main droite pour la grande chaîne. C'est bon? C'est bon. C'est parfait. Tout le monde est revenu à sa place de départ? OK. Alors, vous voyez, c'est une danse très simple parce que ce n'est que ça. Avec les deux mains qu'on tourne. Hein. Ce que je vous ai pas dit, c'est vrai, je ne vous l'ai pas dit. Honte à moi. Un quadrille, le quadrille français, donc celui qui est apparu au tournant du siècle, fin 18e, début 19e, était constitué de 6 parties. Le quadrille anglais, donc, évidemment, c'est le premier, il va en avoir d'autres. Après ça, il va y avoir des plain lancers, hein, comme on dit en anglais. Bien, les lanciers ont 5 parties. Et je ne vous ai pas dit que maintenant, on n'apprend que la 5e. Mais il y a 4 parties avant ça. Bien, c'est pour ça que je ne voulais pas vous montrer. Les autres parties, ça ressemble aux autres quadrilles que vous connaissez, donc il n'y a pas de problème. Ouais. Et en plus, c'est la 5e partie vraiment qui était la nouveauté. Hein? Donc, c'est juste pour vous dire que ce que vous faites, là, c'est la 5e, seulement la 5e partie. Alors, cette 5e partie-là va se répéter 4 autres fois, mais avant de la répéter, nous allons faire du début la danse au complet. Fait que, je vous fais un petit rappel. Hein? C'est la grande chaîne, rigodon, grande chaîne, rigodon. Premier couple, visite, 2, 3, 4. La colonne des lanciers, chassé, déchassé. Les hommes d'un bord, les femmes de l'autre, il faut monter les deux lignes. Avance, recule, avance, tourne. C'est fini. On y va du début avec la musique. Attention! C'est bon. C'est bon. C'est bon, ouais.
30 chaînes. Droite, gauche, gauche, droite, gauche. Face à face pour pas de main. Encore. Pas de main. La visite du premier couple. Tout le monde en ligne. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non. Alors, tu n'arrêtes pas à moins que je te dise, ça va? On recommence du début. Face à face. Attention, 3, 4, c'est bon. Hey, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. On se donne pas de main. Rigodon, assemble, droite, gauche, droite, assemble. Un. On ne se donne pas de main. Rigodon, assemble, la visite du premier couple. Tout le monde en ligne. On chasse. Un. Trois. Quatre. On déchasse. Les hommes d'un bord, les femmes de l'autre. En deux lignes. Présentez. Le tour à deux mains. La grande chaîne encore. Grande chaîne. Rigodon, assemble. Et on arrête là. Ouais. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a des questions? C'est ça. J'y viens. Avant qu'on aille plus loin, est-ce qu'il y a des questions? Hey, le rigodon, c'est-tu le miroir, les gens, ou c'est les deux? Ah, une très bonne question. Est-ce que les rigodons, c'est le pied opposé, l'homme, la femme? Dans la danse baroque, hein, donc mi-18e, il y a des règles, mais pour le quadrille, faites-vous-en pas. Faites-les tous du même pied, comme je vous l'ai montré. Sursaut sur droite, en libérant... Hein? Sursaut sur gauche, en libérant droite. Il faut être capable de se retrouver. Là, c'est... Si vous avez la danse en tête, vous allez être capable de vous retrouver. Surtout que les formes, les figures sont très associées aux formes musicales. Mais c'est sûr, au début, c'est normal. Faites-en pas avec ça. La deuxième... Attention! Donc, cette partie-là, pour répondre à ta question, elle se répète trois autres fois. Donc, on a refait la chaîne, et sauf que là, c'est le couple 2. On va vous le montrer. Le couple 2 va faire les visites, et ensuite, on va faire les lanciers en regardant par là-bas. Ce qui veut dire, attention, le deuxième couple à se placer derrière le couple actif, ça va être le 3. Nous, on va être ici, puis ensuite le quatrième. On vous le montre juste ici. Tu as une question? Oui, comme on vient de le faire. Bon, regardez, on va juste vous le démontrer ici avec le couple 2 qui va faire les visites. 3, 4, 1, 2, un petit salut. 1, 2, un petit salut. 1, 2, un petit salut. Tout le monde à l'ancien, vous vous placez. Puis ensuite, on fait la même chose. Chasser, revenez, déchasser. Les hommes d'un bord, les femmes de l'autre, la ligne de 4. Ouais. Non. Bon, c'est ça. Non, mais elle a de la place. Bon. OK. Elle n'est pas très grande, là. Attention,
J'ai pas besoin de vous dire le reste, c'est la même chose. Fait que tout le monde, placez-vous du début en carré. On remet la musique au tout début. Et là, attention. On le fait avec le deuxième? Oui. S'il vous plaît. Je vais parler avant. Ce qu'on va faire maintenant, la musique commence du début, mais ça va être tout de suite le couplet 2 qui est actif. On a une question? Oui, tout le monde part du pied droit pour la chaîne. Droite, gauche, droite, comme chez Carl, hein? C'est droite, gauche, droite. On y va avec la musique. Et droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. On ne se donne pas les mains. Assemble, deux, trois, assemble. Droite, gauche, droite. Prenez votre temps. Pas trop vite. On assemble. Le deuxième couple visite. Deuxième. En lancier, on se place. Chasser, chasser. Déchasser. Les hommes d'un bord, les femmes de l'autre. On remonte. Tout le monde sur deux lignes. Présentez. Vous donnez la main, ouais. Le tour à deux mains. On se replace. Grande chaîne. Grande chaîne. Trois, quatre. Assemble. Deux, trois, quatre. Le troisième couple. Troisième couple. Le troisième. 3, 4. Tout le monde en colonne. Vous êtes les deuxièmes. Non, vous êtes les deuxièmes. Allez. Ouais. Non, chassez. Chassez. Les hommes d'un bord, les femmes de l'autre. Les hommes d'un bord, les femmes de l'autre. Remontez. 4 par 4. Ça marche pas, ça. Vous êtes pas à bonne place? Tour à deux mains. La grande chaîne. Ah oui, ça marchait. Vous étiez bien placé. Go. Je surveille trop ailleurs. Le quatrième couple. Quatrième couple visite. Un, deux, trois. Ici, pardon. Là-bas. Là-bas. Tout le monde en colonne, regardez là-bas. Voilà. Chassez. Les hommes d'un bord, les femmes de l'autre. Les hommes d'un bord, femmes de l'autre. Prends ton temps. Présentez. Non, non, t'es de l'autre. Ouais, c'est bon. Le tour à deux mains. Oh, un tour de plus. La chaîne. Rigodon. Rigodon et on arrête. Bam. OK. Bon, là, c'est sûr, vous n'avez pas tout annoncé, mais vous avez compris le principe, hein? Tout se fait dans une autre orientation. Cette fois-là, on ne la compte pas. Et là, maintenant, on va la faire pour de vrai, sans erreur, du début. On va enlever notre veste. Un peu d'eau, un peu d'eau. Merci pour la musique. Là, on va la reprendre du début, début. OK! Tout le monde a bu? On refait nos carrés. Parce qu'il faut quand même apprendre notre danse difficile. Moi, c'est encore Pierre. Je suis Janine numéro 2. Janine numéro 2. La règle, c'est que c'est qui est ton partenaire
Mais il regarde partout ailleurs pour s'assurer que ça marche. Oui, je ne suis pas toujours présent. Attention! On fait la danse! Oui, mais... En attendant qu'on retrouve les deux personnes qui manquent, environ. Donc, on refait la danse au complet. N'oubliez pas, les premiers lanciers, c'est par là. Deuxième par là. Troisième par là. Quatrième, hein? Il faut changer l'orientation. Ah, c'est ça. Là, j'ai vu qu'il y a eu un peu de... Hein? C'est toujours le couple qui est à gauche. Alors, regardez, je prends le couple 2. Une fois que le couple 2 regarde par là-bas, quand évidemment vous êtes inversé, c'est toujours le couple... C'est le couple qui est à sa gauche qui vient en deuxième. Okay. Alors, on va faire un petit quiz en attendant que les autres arrivent. Supposons que vous êtes, c'est le couple 3 qui fait les lanciers. Quel est le deuxième couple qui à être derrière lui? C'est le quatrième. Supposons que c'est le couple 4. C'est le premier, c'est ça. Hein, toujours le couple. Parfait. Alors. Est-ce que vous pouvez juste me résumer le truc de pied? Tu fais 1, 2. 3, 4. Ouais, regarde, une fois, parce que je vois quand ça fait 1, 2, 3, 4. Attention, on y va. Tout le monde est prêt? Avec la musique, on se donne main droite. C'est parti. La grande chaîne, ça va? Gauche, droite, gauche, droite, gauche. Sans se donner les mains, rigodon. Assemble de la même chose. On ne donne pas les mains. Premier couple visite. Non, non. Donne-moi la main, bouge pas trop. Ah oui, c'est vrai. Tout le monde à colonne. Chassez, tu s'en vas par là-bas. Chasse. Tu s'en vas par là-bas. Les hommes d'un bord, les femmes de l'autre. Tu descends par là-bas. Face à face. Présenté. Tour à deux mains. Allez pas trop vite. On reprend. On reprend la même chose. La chaîne. Face à face. Hein? Faut que tu ailles un peu moins vite. Prends ton temps. Le couple 2 va visiter. Couple 2. 1, 2, 3, 4. Nous, on va se passer en troisième. En colonne. Chassez. Les hommes d'un bord, les femmes de l'autre. En ligne de 4. Présenté. Le tour à deux mains. On revient à notre place. La chaîne. Face à face, rigolons. Assemble, deux, trois, assemble. Assemble, deux, troisième coupe. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En colonne, vous êtes deuxième, vous êtes troisième. Chassez par là-bas. Les hommes d'un bord, les femmes de l'autre. En ligne de 4. Tour à deux mains. On fait un tour complet. La même chose. 3, 4. Rigodon. Assemble. 2, 3, assemble. C'est bon, là. Quatrième couple qui visite. 2, 3, 4. 1, 2, 3. En colonne. Chassez.
Les hommes d'un bord, les femmes de l'autre. En ligne de quatre. On recule un peu. Tout, top, le tour à deux mains. Encore une chaîne. Hip. Rigodon. C'est ça, prenons ton temps. Prenez votre temps dans la chaîne. Bon, je pense que vous avez le canevas, l'idée, il faut juste la répéter. N'oubliez pas, dans les visites, je pense que j'ai vu des visites dans l'autre sens, hein? Comme quand le couple 4, on visite toujours vers la droite. Vers la droite. Donc, le 4 va au 1, 2, 3. Bon. Alors, ça s'appelle la cinquième partie du Lancier. Parfois, vous allez les retrouver. Ah oui, d'ailleurs, faut dire, ça a été publié la même année en 1815, à Londres et à Dublin. Et à Dublin, ce maître à danser français qui s'appelait Jean Duval, qui est un bon ami, qui enseigne au cégep de Victo, qui est d'ailleurs le premier pendu de la Nouvelle-France. Vous voyez, Jean Duval, c'est un nom célèbre. Non, ben, si, c'est un des. C'est un ethnomusicologue, on a travaillé, on se connaît depuis longtemps, et lui, plus en musique, moi, plus en danse. Bien, il est en charge du département d'agriculture biologique du cégep de Victo, mais c'est pas lui qui a composé le Gabriel Léancier, mais c'est Jean Duval, c'est le même. C'est le même nom. C'est un truc mnémotechnique, si vous connaissez Jean. Alors, on va se replacer en cercle. Laissez vos partenaires, là, juste un grand cercle pour la deuxième danse. J'ai pas. Qui a l'heure? T'as quelle heure, toi? Il est rendu midi 10. Oh! Ça file. La deuxième danse. La première, c'était un petit amuse-gueule. La deuxième danse, c'était pour vous la présenter, ça s'appelle le Money Mosque. Fait que sans doute, vous avez déjà entendu le Money Mosque. Non? C'est sans doute l'air traditionnel, un des airs traditionnels les plus répandus dans l'Est de l'Amérique du Nord. C'est une danse d'origine écossaise, mais qui s'est répandue énormément. Et c'est une country dance. Pourquoi j'ai choisi de vous montrer cette danse-là? Parce qu'on se place toujours dans le contexte de 1815. En 1815, il y a la nouvelle danse qui apparaît, qui est le quadrille. Mais donc, si c'est une nouvelle danse, il y avait d'autres choses avant. Et la danse qui prédominait en Angleterre depuis... Le premier recueil de country dance, hein, c'est en 1651. Par John Playford, puis son fils, il y a Henry Playford. En 1651-1728, ils vont publier 900 country dance. C'est beaucoup. Ça va être tellement un grand succès que ça va traverser la Manche et ça va se répandre partout, partout en Europe, hein? Et entre autres. Et ces danseurs vont donner, en tout cas, comme en France ou en Belgique, il y avait les contredanse anglaise, qui était sur deux lignes, c'est ce qu'on va faire, et il y avait les contredanses françaises qui étaient en carré. Et ça, c'est tellement resté dans le vocabulaire que, dans les années 80, moi, je travaillais avec Louis Pitou Boudreau, qui était un des grands musiciens traditionnels au Québec, à Chicoutimi, et Pitou, Louis, me disait, genre, je pense que c'est en 84, au carnaval à Chicoutimi, il dit, Pierre, il dit, je vais jouer une anglaise. C'était resté dans le langage. On disait, je vais jouer une anglaise, c'est-à-dire jouer pour une anglaise, c'est jouer pour une danse qui est sur deux lignes. Hein? Donc, du côté francophone, on disait contredanse anglaise sur deux lignes, contredanse française en carré. Hein? La fameuse contredanse française qui a donné naissance au quadrille. C'est bon, vous suivez. Alors, là, on va donc faire la danse quand même qui a duré pendant quasiment deux siècles, là, qui est la contredanse anglaise. Pour faire ça, ça nous prend une ligne d'homme en face d'une ligne de femme. Seulement deux grandes lignes. Est-ce qu'on reste en face de couple, mais on se fait face? Oui. Votre partenaire est face à vous. J'arrive,
Alors, regardez. Pour. Regardez ce qu'on va faire. Si on peut, les country dance qu'on appelle long way, as many as will, c'est-à-dire des contredanses pour un nombre indéfini, peuvent se faire à 63 coupes. Hein? Sauf que pour ménager les erreurs, parce que des fois, si ça bloque, je vais la couper par deux à peu près. On va dire, vous autres, allez-vous-en par là-bas, puis vous autres, remontez par là-bas. Comme ça, si ça bloque dans une, l'autre va continuer. Alors, cette danse-là, il était déjà 10. Là, il était quart. Ouais. Mais la pause sera moins. Parce que j'ai juste qu'à y. Là, c'est Guillaume qui gère. J'avais prévu une demi-heure de pause, mais tu sais, c'est peut-être pas plus, on peut peut-être 35 minutes. C'est pas une demi-heure, 40 minutes, c'est correct. Oui, OK. Donc, c'est ma danse. C'est la plus belle contredanse qui n'existe pas. Alors, c'est une contredanse à 6. Ce qui veut dire, donnez-vous les mains, genre un, deux, les trois premiers couples, vous donnez les mains en cercle juste pour bien, donnez-vous les mains, les trois suivants, puis c'est pas grave s'il y a un nombre impair. Vous êtes, non, trois, vous êtes tout seul. Non, non, donnez-vous la main. La main. 5, 6. Ah, allez là, c'est bon. Alors, donc il faut comprendre le principe. Le principe des contredanses, il y a des « long ways many as will » for six ou for four. Il y en a même pour deux, mais c'est assez rare. Donc, ça veut dire que la danse va marcher. Ça, c'est un couple de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Puis ici, on a 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous comprenez? Revenez sur votre colonne. Alors, tous les couples 1 vont faire la même chose, tous les couples 2 vont faire la même chose. Hein? C'est comme si vous êtes, c'est un assemblage de danse à trois couples. La première figure. Je peux-tu prendre ta place? Sans problème. on pourrait faire. On va le faire en marchant pour le moment. Regardez, je donne la main droite à ma partenaire. Je fais un tour. Et là, tu vas descendre, passe derrière la deuxième. Vous autres, remontez un peu. Je donne la main gauche. Je fais un tour et quart. Et là, on se replace trois par trois. Place trois entre eux deux. On se retrouve comme ça. Ça va jusque-là? Non. Attention, revenez chez vous. Alors, maintenant, on se concentre. Tous les couples 1 vont faire la même chose. Ça va être un tour complet de main droite. Le couple 1 s'en va derrière le deuxième qui doit remonter. Puis ensuite, le couple 1 se donne main gauche. C'est toujours droite, gauche, droite, gauche. Donc, vous avez fait un tour main droite. Puis, main gauche, j'allais faire un tour et quart pour finir sur les deux lignes de trois. On laissait tout le monde. Ah non, c'est juste pour le montrer. Attention, au niveau ralenti, tous les couples 1. Tout le monde sait c'est qui, le couple 1? Oui. Attention, 3, 4. À la main droite. Un tour complet. Un tour complet. Descendez sur le deuxième. Non, 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 non. Oh, OK, on recommence. Non, non, ça va pas. Ça va pas, revenez chez vous. Bon. Je peux-tu prendre ta place? Je le monte une autre fois. Peut-être j'ai mis la. Va juste faire les 8 premiers temps. D'accord? Juste les 8. Regardez bien. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le 2 a monté, le 1 est rendu à sa place. On fait juste ces 8 premiers temps-là. Attention! On est prêt? 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, non. Faut que tu passes derrière elle. Derrière elle. Oui, c'est ça. Non, non. Ah, vous autres, vous êtes en avance, c'est ça. OK. Alors, une fois que vous êtes rendu là, je reprends la place. Rendu là, ça, c'est les 8 premiers temps. Les 8 suivants, on a fait main droite, donc on enchaîne main gauche. On va faire un tour et quart pour finir sur les deux lignes de 3. Regardez, je fais 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Ouais, toi, t'es pas là, là. Ça va? Attention, on fait ces 8 temps-là. Revenez, vous autres, sur le côté. Non, non, vous êtes... Deuxième... Oui, vous avez déjà fait 8. Attention, on part à 9. Non, on part à 9. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dans la ligne de 3, c'est terminé. C'est bon? Hein? Comment vous êtes passés, vous autres, là? Ligne de 3? Non. C'est toi, toi, tu étais la femme 1? Oui. Donnez-vous les mains en 3. Donnez-vous les mains. Face à eux. OK. Revenez à votre place de début. Là, ça fait homme. Oui, c'est bon. Revenez à votre place. On va essayer d'enchaîner maintenant de 1 à 16. Oh! Attention, du début. N'oubliez pas, c'est un tour main droite, un tour écart main gauche. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous passez sous le deuxième à la main gauche. Un tour écart. Vous tournez en ligne de 3. C'est terminé. Oui. Là, c'est sûr qu'on fait ça un peu pépère, mais vous allez voir, après, ça va prendre des vies. Rendu là, je vais prendre, disons, change de place à chaque fois. Je vais aller ici. Toi, tu es l'homme, hein? Oui. Oui, je prends ta place. Et je prends ta place, oui, t'as juste à reculer. Alors, vous vous rappelez, on a fait main droite un tour, main gauche un tour et quart, donc je suis rendu à la main droite. Et là, je vais faire trois quarts de tour. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Et la ligne de 3 va être dans l'autre sens. Oh! Hein? Mais on va vous le refaire. J'ai oublié un petit détail. Non, tu es en face. Alors, j'ai oublié de vous dire, quand vous arrivez ici, on fait deux. Bon, il y a différents pas, mais on va faire ça simple. Vous faites 1, 2, 3, en partant du pied droit. Tout le monde passe sur le pied droit. Vous faites droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et là, on se donne la main droite. 5, non, seulement nous deux. Bougez pas les autres, regardez. 5, 6, 7, 8. Et on fait encore les deux petits pas. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. 5, 6, 7, 8. Alors, placez-vous tout le monde dans votre ligne de 3. Tout le monde, la ligne de 3. Vos lignes de 3. Non, l'homme est là. Ligne de 3. C'est bon. Attention. Non. La ligne de 3, s'il vous plaît. Les deux lignes de 3 face à face. Comme vous venez de finir. Oui, t'es là. T'es là. Alors, on y va tranquillement. On va seulement faire 8 ans. Vous allez faire droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et le premier couple à la main droite va faire 3 quarts de tour de façon à faire les lignes de 3 dans l'autre sens. On fait que ça. Attention. Le pied droit part. 3, 4. Droite, gauche, droite, premier couple à la main droite. 5, 6, 7, stop. C'est bon? Et maintenant, vous allez faire droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et le premier couple fait juste traverser à la main gauche. 3, 4. Droite, gauche, droite, traverser à la main gauche. Seulement le premier, l'autre main gauche. C'est bon. OK. Revenez dans votre premier... Une question? Placer les mains. Ça, généralement, hein, c'est l'homme qui soutient, puis les femmes qui sont par-dessus. Mais c'est ça. Fait que là, vous... dans la mesure... Replacez-vous dans votre première ligne de 3. Première ligne de 3, soit face ou dos à la présence. Première ligne de 3. Toi, t'es rendu là. Non, mais c'est la deuxième. Okay, c'est la première ligne de 3. Okay. Non, c'est la première, parce que comme celui de 3. C'est ça. Première ligne de 3. Première ligne de 3, on va la voir. Première ligne de 3, OK. Attention, donc, on va enchaîner droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Main droite, 3 quarts de tour. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Main gauche, c'est juste les... Couple 1. On y va, on fait le pas sur place. 3, 4. Droite, gauche, droite. Premier couple à la main droite. 3 quarts de tour, ça ligne de 3. Droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche. Premier couple, vous traversez à votre tata. C'est bon. On revient à sa place du début. Alors,
Là, vous avez compris? On récapitule. Du début, le couple 1 fait tour main droite, descend derrière le deuxième qui doit remonter, puis ensuite, main gauche, un tour et quart, la ligne de 3, main droite, 3/4 de tour, la ligne de 3, main gauche, arrivez chez vous. Attention, on va juste essayer ça. Je la ralentis. Ah oui, c'était là. OK. Je juste être sûr. Je reviens à ma marque. Attention. 5, 6, 7 à la main droite. 1, 2, 3, 4. Descendez sous le deuxième à la main gauche. Marchez sur la musique. En ligne de 3. Attention. Et droite, gauche, droite. Main droite, 3/4 de tour. Droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche, traversée à la main gauche. Main gauche. C'est bon. Merci. Ah, c'est main gauche, hein, la dernière. Main gauche. Bon. Là, je vous l'ai beaucoup ralenti. Ce que je dois vous dire sur cette danse-là a été publiée. La plus vieille source depuis longtemps, c'était celle de Rachel Frobisher. Connaissez-vous Rachel? Pas, hein? Rachel Frobisher, c'était la fille de Charlotte Jobert, qui était une... Y a-t-il des Jobert dans le coin? Non. Charlotte Jobert, qui était une Canadienne française du 18e siècle, qui avait marié John Frobisher, qui était, vous savez, un des manias de la fourrure. Il faut dire aussi que le frère de Charlotte Jobert, c'était les Chaboyers, qui étaient la grosse famille canadienne française des fourrures. Fait que, hein, donc, c'est des big shots de la fourrure canadien-français avec des big shots écossais, Frobisher est écossais, hein, qui sont mariés. Et donc, Rachel prenait des cours de musique et de danse. Et le plus vieux manuscrit qu'on avait de cette danse-là, j'ai été le photographier aux Ursulines, à Québec, il avait été retrouvé dans les archives de l'Hôtel-Dieu, à Québec, à les Ursulines, les archives sont rendues en haut, là. Et donc, elle avait écrit la danse. Donc, en 1780, le cahier est daté de 1793. À cette époque-là, tout ça, c'est pour vous dire qu'à cette époque, c'est une danse d'origine écossaise, hein, qui s'est répandue partout. Ça se faisait en Strashpey. Poum, patatoum, pa, poum, pam, pa. C'est très lent, un Strashpey. Tiridum, pa, patou, pitoum, pitoum. Mais ça s'est accéléré rapidement. Là, moi, je vous l'ai très ralenti. Hein? Mais, en fait, au 19e, c'était... C'est assez rapide. Moi, ce que je vous recommande, c'est de le faire en pas... Parce qu'on pourrait travailler les pas. Ça pourrait être comme ça, comme font les Écossais. Hein? Ou bien, faites-le juste en soutillé. Mais faites-le pas en marchant. Vous allez difficilement arriver à votre place parce qu'il faut que ça circule. Juste pour vous parler du... de la vitesse. Maintenant, on va le refaire. Replacez-vous et je vais accélérer un peu. Et faites-le en pas soutillé. On va l'accélérer un peu. C'est pas peur. On monte à 92. Là, tu es bien placé, c'est bon. Attention! 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. À la main droite. Prenez votre temps. 5, 6, 7, 8. Droite, gauche, droite. Gauche, main droite. Droite, gauche, droite. Traversez main gauche. Main gauche. C'est bon. Hey, c'est... Bon. Hey, ça va bien. Là, évidemment... Les autres, ils disent, j'ai pas grand-chose à faire, mais dites-vous que tout ce que le couple 1 va faire, à un moment donné, tous les autres vont le faire. Ouais, ça va être pour vos longues soirées d'hiver. La figure suivante, les 6, donnez-vous les mains, hein, les 6. Toujours les mêmes 6. Vous allez faire 7 chassés assemblés à gauche et la même chose à droite, comme on l'a fait tantôt, mais au lieu d'être 3, c'est 7. Hein, on fait 8 temps à gauche, 8 temps à droite, 3. 4. Chasse, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assemble. Chasse, 2, 3,
4, 5, 6, 7, ensemble. C'est bon. Ça va jusque-là? Hey, on va leur faire du début. Du début jusque-là. C'est bon. Est-ce que vous accélérez? On accélère. Mais c'est pas la bonne tonne. Ah non, on est rendu à Newcastle. Elle fait ça des fois. Hein, t'es... Ouais, elle est pas fine. Ouais, attends, donc il faut retourner là. Si jamais ta père, tu s'en vas à contredanse. Et là, il y a deux money mosques. T'as money mosque, c'est celle-là. Et là, oh! 5, 6, 7, 8. À la main droite, un tour complet. Deuxième coupe, vous remontez à la main gauche. 3, un tour et quart. Sur ligne de 3, 7, 8. Droite, gauche, droite, main droite. C'est pas des chassés, là, c'est... Pas de chassés? 1, 2, 3. 2, 2, 3. Traversée. Non, non. Oh, non, non, non. Hé, hey, là, il y a un mélange. Il y a un mélange. Il y en a qui font des chassés quand... Non, quand vous êtes en ligne de 3. Quand vous êtes en ligne de 3, c'est juste 1, 2, 3. Il n'y a rien qui bouge. Le chassé, c'est dans le grand cercle. Il faut même pas que le corps bouge. Hey, je vais vous montrer le vrai pas. En fait, ce que vous devriez faire, disons, je prends ta place. Quand vous arrivez, le pas écossais, c'est comme un pas de basque. C'est ça. Mais vous n'êtes pas obligé de faire. C'est ça, c'est un pas de basque. Mais sans se déplacer, hein, faut pas faire. Donc, c'est sur place. Il n'y a pas de déplacement. OK. On le refait du début. De retrouver. C'est bon. 3, 4. Le deuxième remonte. Main gauche. Un tour et quart. En ligne de 3. Droite, gauche, droite. Main droite. Trois quarts de tour. Le petit pas. Main gauche. La ronde à gauche. Chassé. Chassé. Revenez de l'autre côté. 5, 6, 7, 8. C'est bon. Ça va bien. Et il reste une figure. Et là, on a un grand problème. Si on recommence, ça va juste être le 1 et le 2. Non, tu vas voir, ça va. Là, il y a un grand problème. C'est... Il y a plusieurs versions, il y a multiples versions de la quatrième figure, la quatrième partie. Hein? Ça fait A, B, A, B. Hein? On est rendu sur le deuxième B de la mélodie. Alors, là, je me suis torturé. Si je me mets dans la version de Rachel, en 1793, c'est pas ça qu'elle dit. Mais rendu au début du 19e, la figure qu'on trouve partout, c'est la chaîne à quatre, la chaîne anglaise. Hein, ou le « hey » en anglais. Fait que j'ai dit, je vais vous donner l'affaire le plus standard pour la période. Donc, supposons que... Je vais le faire ici, je n'ai pas fait. Donc, une fois qu'on a fait nos chassés, le couple 1 est dans le milieu. Avec le couple qui est en haut de lui, on va faire une chaîne à 4. Tantôt, on a fait une grande chaîne. Hein, c'est une chaîne à 8. Alors, regardez, nous 4. Tu donnes la main droite à ta partenaire. Change de place. Non. Main droite. Main gauche au suivant. Tourne pas au coin. Main droite. Main gauche. Voyez? Donc, il ne faut pas faire des tourniquets au bout. On va vous le refaire comme il faut. Hein, quand tu arrives, il faut pas que tu fasses des tours. Allez. Quand on donne la main droite, on traverse main droite, évidemment. On essaie ça. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. D'accord? Donc, hein, tu comprends que quand tu donnes la main, vas-y, main droite. 1, 2, 3, 4. OK. Va-t'en pas là. OK, cool. Alors, vous avez vu? En fait, les chaînes anglaises se font parfois sans main, parfois avec main. Mm-hmm. Hein? On va faire une... Bon, on le fera pas. mais ce que je veux vous dire, c'est que parfois, c'est sans main, mais là, avec la main, c'est plus facile parce que, bien, attention, je vous rappelle qu'il ne faut pas faire, c'est de faire un, deux. Ah! C'est pas ça qu'il faut faire. On va l'essayer, tout le monde. Les couples 1 avec le couple qui est en haut de lui, qui est en l'occurrence le couple 2. Ah, bien,
Donc, si vous quatre ici, si vous quatre là, attention, on y va tranquillement. Quatre pas pour chaque main. Trois, quatre. À la main droite, vous traversez. À la main gauche, de l'autre côté. Main droite, votre partenaire, c'est 8. À la main gauche. Là, ici, vous êtes vite sur vos patins. Hein? Ouais, à deux, vous aviez traversé. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hein? Deux, quatre temps par côté. On le refait encore une fois pour être sûr. Même chose. Attention, 3, 4. À la main droite, prenez votre temps. À la main gauche, 7, 8. À la main droite, 3, 4. À la main gauche, c'est terminé. C'est bon. Là, vous connaissez la danse au complet. Revenez à votre première position. Attention. Donc, on récapitule. Première partie, le couple 1, main droite, un tour complet, descend sur le deuxième. Main gauche, un tour et quart. La ligne de 3, balance, balance. Main droite, trois quarts de tour. Balance, balance. Main gauche, on vient chez soi. Chassé à gauche, chassé à droite, la chaîne à 4. Va vous la caler. Oui, c'est bon. Attention. 5, 6, 7 à la main droite. On descend sur le deuxième. Remontez le deuxième. Main gauche. Un tour et quart. En ligne de 3, balance. 1, 2. Main droite, trois quarts de tour. Balance. Traversée à la main gauche. La ronde à gauche, en pas chassé. Chassé. 5, 6, 7, assemble. La chaîne à 4. Chaîne à 4. À la main droite. À la main gauche. À la main droite. À la main gauche, c'est terminé. C'est bon. Ouais! S'il vous plaît. On est 6, puis il faut faire la chaîne à 4. Fait que les deux lousses, ils font quoi dans ce temps-là? Ils font rien. Mais attention, là, vous n'avez pas encore appris la beauté de la contredanse. As many as will, c'est que c'est ce qu'on appelle une danse progressive. Ça veut dire que les couples 1, vous avez vu, ils ont descendu d'une place. Ils vont refaire la même danse, mais redonnez-vous les mains à partir 1, 2, 3. Voyez, les groupes de 6 vont être différents. Donnez-vous les mains ici, 1, 2, 3. Non, non, c'est plus les mêmes. Voyez? Donnez-vous les mains, les 6, non. Le premier couple n'est plus dans la gang. Donnez-vous les mains, premier couple, deuxième, troisième, ici. Vous êtes avec eux autres. Non, non, toi, reste avec ta partenaire. Donnez-vous les mains, hein, juste pour bien vous identifier. Un, deux, trois. Donnez-vous. Ouais. OK, maintenant, la danse va reprendre avec toujours le même couple 1. Mais évidemment, les couples 2 et 3 ont changé. Ce qui veut dire que les couples, là, il faut bien comprendre le système, c'est que les couples 1 descendent et les couples 2, 3, eux autres, ils remontent d'une place à chaque répétition de la danse. Sauf que la beauté d'une contredanse à 6, c'est que les couples 2 et 3 changent de rôle à chaque répétition. Si vous étiez un 2, vous êtes devenu un 3. Si vous étiez un 3, vous êtes devenu un 2. Alors, ceux qui faisaient la chaîne à 4, la feront plus, ça va être les autres. Toujours le couple 1, sauf que... Non, non, mais je vais vous expliquer ce qui va se passer pendant... Là, le couple 1 va continuer. Ici, c'est un peu moins long. Le couple 1 est là. Il va le faire une autre fois, il va être là. Il va le faire une autre fois, il va être là. Il va le faire une autre fois, il va être là. Il va danser avec un couple fantôme, on verra ça. Et là, à un moment donné, quand le couple 1, disons, il est rendu là, il y a un nouveau couple 1 qui part. Parce que du moment qu'il y a deux couples de libre sous lui... Il devient couple 1. Et là, il repart. Que tout le monde remonte, puis tout le monde redescend. C'est sans fin. C'est l'invention du mouvement perpétuel. Fait que, on va juste l'essayer dans les groupes de 6 tels que vous êtes placés. Attention, le premier couple ne danse pas. Les deux du fond ne dansent pas. Ça va? On va le faire une fois parce que toutes les... Là, ça a changé. On le fait une fois dans cette position-là, sans musique. Vous êtes prêts, les 1, 3, 4.
à la main droite, un tour complet. Le deuxième coup, vous remontez par le milieu. À la main gauche, un tour et quart en ligne de trois. Vous balancez. Droite, gauche, droite, à la main droite. Trois quarts de tour, trois, quatre. Balancez, traversez à la main gauche. Cinq, six, sept, huit. Le châssé, ça va bien, pas besoin de le faire. Maintenant, la chaîne à quatre, c'est plus avec les mêmes. Hein, la chaîne à quatre, c'est toujours le couple en haut du 1. Donc, c'est vous quatre ici. C'est vous quatre là. La chaîne à quatre, ça va être... C'est ça. On y va, chaîne à quatre? Trois, quatre. À la main droite, vous traversez. À la main gauche, de l'autre côté. À la main droite. Trois. Non, 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 non. On n'est pas pratiqué, nous. Oui. Oui, mais vous l'avez regardé. Il ne faut pas que tu tournes. Il ne faut pas que tu tournes au bout. D'accord? On le refait, la chaîne à quatre. Attention. Attention. Chaîne à quatre. Trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Cinq, six, sept, huit. Prends ton temps. Trois, quatre, cinq, six. Ça, c'est main gauche. C'est bon. OK. Alors, le couple 1, remonté d'une place. On va le faire avec la musique. Une répétition. Attention, on est prêt, on y va. 5, 6, le premier coup. Main droite, un tour complet. Descendez aussi, deuxième. Main gauche, un tour et quart. On balance. Droite, gauche, droite. À la main droite, trois quarts de tour. Balancez. Traversez à la main gauche. Les pas chassés à gauche. Chassez, la ronde à gauche. 5, 6, 7, ensemble. La chaîne à 4. Chaîne à 4. À la main droite. Prenez votre temps. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16. C'est bon. OK. Il y en a qui sont un petit peu vite dans la chaîne à 4. Marquez les coins vraiment. C'est... 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. Il a marqué les coins. Il y en a qui se déboulent un peu. Ils tournent les coins ronds. Maintenant, ça va reprendre encore avec les mêmes 1. Pas besoin de rien faire parce que là, ceux qui ont fait la chaîne à 4 tantôt vont le refaire. Donc, les groupes de 6 ont changé. C'est vous 6. Hein? Ici, c'est vous 6. Là, vous allez danser. Là. Comprenez? Et la même chose ici, c'est vous 6. Ça danse pas en haut. Il y a deux coupes inactifs en haut. Hein? On y va tel qu'on est placé. 5, 6 à la main droite. À la main droite. Un tour complet. Le deuxième coupe au milieu. Main gauche. En ligne de 3. Balancez. À la main droite. Trois quarts de tour. Balancez. Traversez main gauche. Enchaissez. 6, 7, 8. La chaîne à 4. 7, 8. 3, 4. Demi-lo. Merci. Hey, t'es rendu expert, hein? OK. Et... Attention! Là, il se passe de quoi? Parce que le premier couple a maintenant deux couples inactifs sous lui, donc il peut partir. Fait que vous êtes devenu un premier couple. Vous avez évidemment regardé la figure du premier couple et vous n'avez aucun problème. Hein? Oui? J'imagine que vous allez arriver à ça, mais ceux qui sont au bout de ligne, les deux couples qui sont ici puis le couple seul là-bas, ils font quoi pendant ce temps-là? Ils regardent? Ils regardent, oui. Ils regardent, OK. Flore, tu penses de prendre une petite gorgée de vin? N'importe quoi. OK. Attention, on va laisser une chance quand même à nos nouveaux premiers couples de le faire une fois. Fait qu'on va y aller tranquillement avec vous quatre. Ils vont juste le marquer. On fait... Regardez-les pas trop, là, ça va les gêner. Allez-y donc, main droite. Allez, main droite. Un tour complet. Un tour. Vous descendez sous le deuxième. Main gauche. Main gauche. Main gauche. Un tour et quart. Un tour et quart. Un tour et quart.
Oui. Balance. Balance. Main droite, trois quarts de tour. Main droite, trois quarts de tour. Oui. Balance, balance. Main gauche, traverse. Main gauche. Et après ça, ah, non. C'est bon. Puis après ça, c'est facile parce que vous faites chasser, chasser, chaîne à quatre. Hey, je vais vous donner un petit détail que j'ai oublié de vous donner. Les couples, remontez en haut. Remontez en haut, je vais prendre ta place, Guillaume. Les couples 2, quand ils remontent, on va mettre un petit peu de finesse, là. Il y en a qui s'en vont... Non, on va se donner la main au milieu. Fait que vous allez refaire, vous autres aussi, donnez-vous la main droite, faites le tour et passez sous le deuxième. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, c'est que le deuxième couple se donne la main pour monter. Mais vous autres, ça ne change rien dans votre vie, là. On, okay. On recommence. OK, je ne comprends. Non, mais ça ne change rien, vous autres, là. C'est juste pour... Je ne sais pas ce que vous faites. Mais toi, tu fais un tour, puis tu passes derrière Guillaume, puis tu s'en vas... Alors, donnez-vous donc la main droite. Faites un tour. Un tour. Tour. Passe derrière. Ah non, c'est... Tu s'en viens ici. OK. Ah, oh, OK. C'est facile, hein? Tu suis toujours ton nez. Tu sais, tu tournes. Mais, tu suis ton nez, puis tu s'en vas. OK. Là, parce qu'il y en a qui veulent faire des tours. On revient. Attention, on essaie le premier couple. On va aller jusqu'au chassé. D'accord? On commence au début. 3, 4. À la main droite. Ah non! Non, non, non. Sans musique, on recommence. Attention, pas de musique, hein? Attention, 3, 4. À la main droite. Un tour complet. Vous passez sous le deuxième. À la main gauche. À la main gauche. Un tour et quart. En ligne de 3, vous balance. Hey, il manque un demi-tour, vous autres. Je sais pas. On recommence. On recommence. Alors, excusez-moi, on va recommencer. Parce que là, il faut que ça aille un peu plus vite. Attention, on recommence ça. 3, 4. À la main droite. Un tour complet. 5, 6. À la main gauche. Un tour et carré. Vous tournez. 5, 6. Vous balancez. 1, 2. À la main droite. 5, 6, 7, 8. Balancez et traversez à la main gauche. 5, 6. C'est bon. Bon, hey, je vais vous donner un autre truc aussi. Quand on donne la main à sa partenaire pour tourner, le bras, c'est le principe, il faut tirer sur mon bras. Et si le bras est mou, là, vous tournez dans le vide, fait que maintenant, tire sur mon bras. Et donc, il faut qu'elle tourne avec moi. Un. Il faut se tenir. Fait que si vous n'avez pas de tenue dans vos bras, ça prend de l'ampleur, vous n'arrivez pas sous le temps parce que je vois les bras qui s'allongent même. Hein, il faut avoir une bonne tenue. OK, rendu là, après ça, la danse est simple. On va y aller avec la musique, remonter. Là, on va y aller avec la musique. Hey, les autres couples. Ah, oh, un instant. Les autres couples, un, le font aussi, là. Attention, c'est parti. 5, 6, 7, on y va. À la main droite, tu descends par ici. À la main gauche, les bras solides. Un tour et quart, bras solides. Ton bras est mou, hein? Balance. Droite, gauche, droite. Main droite, trois quarts de tour. Droite, gauche, droite. Hein? Gauche, droite, gauche, traversée. Ah, pas chasser. Pas chasser. Pas chasser ici. À droite. La chaîne à quatre. Chaîne à quatre. Non, vous avez trop tourné, vous avez trop tourné. Oui, il faut faire le même nombre de chassés d'un bord que de l'autre. OK. Disons que ça a été. Est-ce que vous seriez capable maintenant de l'enchaîner deux fois? C'est-à-dire, le couple 1 le fait une fois, puis le couple 1 le refait une autre fois. D'accord? Il est rendu où le couple? Ah, il faut que je donne maintenant un détail. C'est que quand le couple 1 arrive au bout, puis il y a juste un couple sous lui, on dit qu'il danse avec un fantôme. Hein? Fait que le fantôme, bien, c'est pas, le temps de la loin est passé, mais ils font leur figure. Attends, ils vont vous le faire une fois. Regardez bien. Allez-y à la main droite. À la main droite, un tour complet. Vous passez sur le deuxième qui se donne la main. Oups, un petit tour de trop. Main gauche. Main gauche, oui. Et là, mais un tour et quart.
C'est qui l'homme? Ouais. Et là, tu te retrouves entre personne. Et tu, vous faites vos pas. Droite, gauche, droite. C'est tellement simple. Après ça, main droite. Main droite. L'autre main droite. Dans l'autre. Non. Comme ça. Donnez-vous. Là, il y a toujours un couple fantôme. Faites vos balances. Traversez main gauche. Là, ils vont faire leur chassé à 4, 3, 4. Chasse, 2, 3, 4, 5, 6, 7, passante. De l'autre côté, vous revenez. 6, la chaîne à 4. Chaîne à 4, ça ne change rien. Chaîne à 4. 1, 2, 3, 4. C'est pour ça qu'on fait la chaîne à 4 avec le couple d'en haut et non pas le couple d'en bas. Parce que... Donc, vous voyez, vous faites la même danse, vous imaginez le couple 3, mais ça ne cause pas de problème sérieux. Fait que revenez à votre place. Vous autres, ça va arriver plus tard, hein? Un quoi? Dans deux coups, vous allez être avec un fantôme. Yes. Ouais. Attention! Un, deux. OK. Oh! Vous avez changé. On a déclaré qu'on restait. Ah, vous pouvez pas faire ça, là. Non. Parce que, rendez-vous compte, si vous changez ici, si eux, c'est le premier, là, ça marche plus en bas. Ça, c'est une mécanique serrée. Hein? Si, c'est pour ça que j'ai coupé les contredanses à deux. Quand, vous êtes en deux groupes. Parce que s'il y en a un qui foire, je peux dire, là, ça marche plus. Fait que si vous avez comme ici deux groupes, au moins, vous dites, bien, il y a une contredanse qui s'est trompée, mais il y en a un autre qui va suivre. Je suis avec Guillaume Bellé, l'initiateur de ce processus-là. Les lettres de... Whitehall. Whitehall, j'allais dire Whitehall, mais ça, c'est un autre, ça. Juste, nous, on est à la conclusion de ces captations-là. Évidemment, il y a des gens qui ont vécu ces ateliers-là. Juste nous faire un résumé de l'initiation, pas d'initiation, mais l'idée de départ. Pourquoi qu'on a fait des ateliers au Centre des arts en lien avec cette thématique-là? Oui, donc, en réalité, c'est un projet que je vais tenir en 2023. Donc, un projet de théâtre d'incarnation, théâtre immersif. Donc, question, ça veut dire quoi, ça? Donc, c'est de l'improvisation. C'est finalement, c'est un événement lors duquel il n'y a pas de spectateur. Donc, les gens, les participants incarnent des personnages et donc ils vont vivre des scènes, mais ces scènes-là, c'est tout improvisé. Donc, c'est eux vraiment qui sont plongés dans un univers. L'univers peut varier en fonction de la thématique de l'événement. Dans ce cas-ci, c'est la Régence britannique, donc en Angleterre en 1815. Et puis là, les gens jouent justement des personnages des Anglais. Là, il peut autant y avoir des demoiselles, des gentlemen, des sirs, des lords. Des lords, tout ça. Je pense que je serais un lord. j'ai le coffre de ça. La barbe, puis tout. Donc, les gens, finalement, arrivent, ça dure une soirée, un événement, et puis, donc, vivent là-dedans. Donc, moi en tant que metteur en scène, en tant qu'organisateur, bien, je prévois évidemment des activités mondaines, certaines histoires, tout ça. Mais par la suite, ce qui se passe concrètement dans la soirée, bien, c'est l'improvisation des gens. Donc, les ateliers qu'il y a eu, c'était comme une formation, mais une préparation à ça. Dans le fond, il y a eu une personne qui a parlé de costume, on a eu de la danse, on a eu du acting, puis j'en oublie un aussi. C'était justement ma présentation à moi. Inoubliable. Donc, c'était plus un contexte historique. Donc, étant donné que là, on est vraiment plus dans un... pas une reconstitution historique, mais on est beaucoup plus fidèle à l'histoire. Donc, vraiment, là, on est en Angleterre en 1815. Et puis, c'est une période que les gens connaissent un peu par le biais des œuvres comme les œuvres de Jane Austen, Orgueil et préjugés, ou plus récemment sur Netflix, Bridgerton. Donc, c'est bien populaire. Mais souvent, on a un peu des préjugés sur l'époque. Donc, cette présentation-là visait comme à un peu nous mettre au même diapason de c'est quoi la Régence britannique, là. Dis-moi, je me trompe, on entend parler de médiation culturelle, que l'artiste ne doit pas juste être en représentation, doit mettre en action le citoyen. Ça ne peut pas être plus de la médiation culturelle que faire ce que tu proposes aux gens de faire. Non, parce qu'effectivement, dans ce que j'organise, justement, j'appelle ça du théâtre d'improvisation, du théâtre de l'incarnation. La grande différence avec le théâtre, c'est que dans le théâtre, on a un metteur en scène avec des acteurs, et essentiellement, les acteurs, ils vont jouer un scénario. Ils apportent quelque chose dans leur interprétation, mais tu sais, la pièce de théâtre est définie. Ils se passent un texte, puis ils apprennent leur texte, tout ça. Moi, je mets un peu un carré de sable. Par la suite, je dois rester en contact avec les participants, les participantes, à voir tu sais, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qui les intéresse. Donc, je suis toujours en réaction, en action, rétroaction, action, rétroaction.
Donc, tu parles de corps et de sable, mais tu ne diriges pas les acteurs, mais tu mets un corps. T'sais, exemple, moi, je ne pourrais pas arriver en homme de l'espace. Là. Ça ne marcherait pas. Je serais comme pas adéquat. Exactement. C'est pour ça, justement, tout le monde à l'intérieur sont costumés, portent un costume d'époque. Et puis, en fait, ce que je dis souvent, c'est tout comme à l'extérieur, si on se promène sur la rue et on voit quelqu'un habillé avec un habit rouge d'officier anglais de 1800, on va dire « qu'est-ce qu'il fait là, lui-là? Il n'y a pas d'affaire là. » Tu sais, il clash. Bien là, pendant ces événements, c'est l'inverse. Tu sais, si tout le monde est habillé, c'est comme on crée un univers. Là, on est dedans là, pendant qu'on le fait. Fait que si quelqu'un arrive et qu'il commence à parler de je sais pas quelle émission, à quel poste, ou qu'il est habillé avec un T-shirt ou peu importe, c'est lui qui n'a pas d'affaire là. Là il contraste, il clash. Fait que, puis, est-ce que c'est une chose qui est présente au Centre des arts, ça, populaire de Nicolet, d'avoir des... Moi, j'appelle... Tu parles de théâtre immersif. Il y en a qui pourraient appeler ça de la reconstitution historique. Je dis-tu quelque chose qui n'a pas d'allure en parlant de reconstitution historique, mais c'est quelque chose qu'on fait au Centre des arts? C'est que la reconstitution historique, on va être vraiment plus dans la fidélité historique. Tu sais, on est... Ici, il n'y aura pas de chevaux, mettons, dans le Centre des arts, puis il n'y aura pas de carriole, puis comme on aurait pu avoir. Ça, mais tu sais, souvent, mettons, dans la reconstitution, ça va être, mettons, les habits. T'sais, on va dire, les épaulettes avec telle signification, donc il faut que ça aille telle place, il faut faire attention à tel nombre de boutons, là, ça, c'était pas d'époque. Tu sais, il y a vraiment ce souci-là, vraiment historique, il y a des recherches, tandis que nous, on veut donner l'impression d'historique. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut aussi que ça reste abordable aux gens. Tu sais, un costume de Régence britannique, là, c'est, on parle de vraiment, si tu veux quelque chose d'historique, 500, 600 $ là. Mais là, nous, justement, l'atelier sur les costumes, donc elle expliquait comment essayer d'avoir ça à beaucoup. Donc, on est plus dans l'idée de donner une impression d'historique pour cet événement-là. Puis après ça, bien, c'est le scénario qui est important. Là. C'est qu'est-ce qui va se passer, puis c'est quoi les scènes, l'histoire qu'on va créer à l'intérieur de tout ça, là. Est-ce qu'il y en a déjà eu des activités de ce type-là au Centre des arts? Oui, donc on en tient souvent. Bien, moi-même, je suis autant organisateur de l'enclave qui organise les LED de Whitehall qu'agent de développement ici au Centre. Donc moi-même, j'organise d'autres événements, par exemple les tractations de l'enclave. Mais ça, c'est plus, on n'est pas dans l'historique, donc c'est plus d'inspiration renaissance. Donc ça se tient fréquemment pendant l'année. Mais il y a beaucoup d'organisations qui viennent ici au Centre des arts populaires, d'autres, ça s'appelle des jeux de rôle plus grandeur nature. Qui vont venir. Il y en a plein à l'hiver. Ils viennent faire des banquets, ils viennent faire des journées, des tournois. Il y a la SCA, la Société de... C'est en anglais, Society of Creative Anachronism. Enfin, là, on est plus en reconstitution un petit peu, mais c'est médiéval. Donc ça, ils viennent deux fois par année. Et puis eux, c'était par exemple, le dernier qu'ils ont fait, c'était un couronnement. Et puis c'était tout le nord-est de l'Amérique du Nord. Donc il y avait des gens des États-Unis, il y avait des gens du Canada anglais. Fait que c'est vraiment un rayonnement, étant donné que pendant la pandémie, on a travaillé les salles, on a modifié, on a amélioré tout ça. Donc, ça attire un public qui est à recherche d'un décorum, là, tu sais. Parce qu'on n'est pas dans... Puis, il y a des très belles salles d'hôtel, il y a des très belles salles communautaires, il y a des beaux gymnases d'école, mais un gymnase d'école, pour créer cet effet-là, il faudrait avoir beaucoup de temps et d'investissement. Tandis que là, on a quelque chose qui appelle à l'histoire, je dirais. Oui, bien, tout à fait. Puis, tu sais, en fait, c'est un peu comment je peux dire ça, la faiblesse au Québec, au sens où il y a beaucoup de ces événements-là, des jeux de rôle, qui vont beaucoup être à l'extérieur, parce que nous, notre force au Québec, c'est la nature. Tu sais, ça va être en forêt, on a des belles forêts, on a des belles étendues, tout ça. Mais si on va en Europe, ce type d'événement-là, c'est dans des châteaux que ça se tient. Là. Puis on est, ou en Angleterre, c'est dans des vrais bals de la Régence, dans des vrais manoirs de la Régence. Tu sais. Donc ici, il faut recréer un peu le tout. Puis justement, au Centre des arts, bien, tu sais, avec la voûte qu'on a, il y a quelque chose de beau à faire, au sens où effectivement, bien, tu sais, à un moment donné, si les gens sont déguisés, tout beau costume, mais qu'on est dans une salle communautaire en gyps, tu peux perdre un peu. Mais quand on est dedans, des fois, on oublie tout ça. On occulte, puis on embarque dans le jeu. Mais bravo à toi, avec ton entreprise Enclave. Bravo aussi au Centre des arts d'accueillir ça. Évidemment, page Facebook, site web du Centre des arts. Dans ta partie Enclave de ton travail professionnel, est-ce qu'il y a des moyens de te rejoindre aussi? Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, il y a un site web de l'Enclave, donc c'est projetenclave.com. Sinon, sur Facebook, beaucoup plus sur Facebook, effectivement. Donc, je sais écrire l'Enclave sur Facebook. Vous allez voir, si vous voulez voir des photos, justement, toutes les photos de tous les événements qu'on a organisés. Parce qu'autant on a des événements Renaissance, mais d'inspiration un peu de Renaissance, mais moi, à chaque année, j'essaye d'organiser un projet un peu spécial. T'sais. Fait que là, l'année prochaine, c'est Whitehall. L'année dernière, c'était Batiscaf. On a fait un genre de sous-marin. Exactement. Donc, c'était le projet en 2020. On est en quoi, le 2020? On est rendu en 2022. Mais non, on est en 1815. J'ai de la misère à suivre les années.
avant ça, on avait fait un projet Bunker, qui était un projet 1962. On avait fait ça à Nicolet, ici, au couvent, à l'ancien couvent des Sœurs Grises. C'est la crise des missiles? Exactement. C'était dans le couvent et on faisait, pas faisant croire, mais le contexte était qu'on était dans le Defend Bunker à Ottawa. Donc, c'était tout cet enjeu-là qui jouait. On a fait un sous l'œil du père qui était pendant la Prohibition, donc 1920. Fait que vraiment, à chaque année, j'essaie de faire un truc un peu plus spécial qui va chercher d'autres gens qui veulent pas juste une aventure comme d'un événement. Puis c'est ça, un petit peu plus historique aussi des fois, là. Si les gens qui ont vu les ateliers, qui nous écoutent parler, qui seraient intéressés à en apprendre davantage, même peut-être participer, c'est pas un club privé, ça, là, on peut s'inscrire? Non, c'est ça, tout à fait. Il faut s'inscrire, effectivement. L'idéal, c'est de communiquer avec moi, en fait, donc de vraiment aller sur la page web, la page Facebook de l'Enclave, puis m'écrire, aucun problème, là, je vais répondre et tout. Mais il faut nécessairement se préparer, par contre, parce que justement, comme je mentionnais, les gens incarnent les personnages, donc il faut que le personnage soit préparé. Et puis le secret de ces événements-là, en fait, c'est qu'il faut que le personnage ait des relations avec d'autres personnages. C'est un jeu social. Donc, si on arrive et puis qu'on ne sait pas rien, on ne connaît personne, puis c'est sûr qu'on va avoir de la misère. Mais du moment qu'on crée les relations, les réseaux, bien là, ça se passe bien. Donc, moi, j'aide à faciliter ça, là. On se laisse prendre au jeu. Hey, merci, très intéressant, Guillaume. Bien, ça fait plaisir. Merci à vous. Je suis avec Pierre Chartrand. Je l'appelais maître danseur, mais c'est pas ça. C'est maître de la danse. Comment qu'on... Un maître de danse, c'est un vieux terme, 18e. Oui. Parce que, c'est intéressant, c'était quelque chose, parce qu'on voit des danses traditionnelles, tout ça, c'était comme des professeurs de danse, qu'on pouvait dire à l'époque, on avait ça, des gens qui montraient les danses? Ouais, dans les danses, il y a les danses anciennes et les danses traditionnelles. Les danses traditionnelles, si on va dans différentes régions du Québec, on a des danses qui sont transmises de façon orale, donc sans maître de danse, hein, c'est parce que dans la famille, les oncles, les tantes dansaient, on les apprenait comme ça. Par contre, il y avait des salons de danse ou des écoles de danse aussi dans les grandes villes, puis aussi au 18e, au 19e, où là, c'est un enseignement plus formel. Et c'est dans ces studios de danse, ou ces écoles de danse, où on avait des maîtres de danse. Parce que, vous me dites, dans la façon, la tradition, moi, je viens du monde de la musique, de la chanson, il y avait des versions régionales de certains classiques traditionnels. Est-ce que ceux qui se le traduisaient de façon orale, c'était-tu la même chose? Il y avait des... Oui, c'est un 7 carré, mais ça, c'est un 7 carré du bas du fleuve, ça, c'est un 7 carré du centre du Québec? Tout à fait. D'ailleurs, la première danse que j'ai montrée aujourd'hui, j'ai pris la danse emblématique du début du 19e, qui est le quadrille des lanciers. Alors, le quadrille des lanciers qui a été publié de façon formelle, par écrit avec la musique en 1815, ça s'est répandu partout en Occident, et donc, entre autres, au Québec. Alors, si on va, genre, à Valcartier, pas loin de Québec, il y a la famille Verrette qui a leur version. Il y a la communauté irlandaise au Caesar's Palace qui faisait leur version. Du lancier. Vous avez la version du lancier à l'île d'Orléans. Donc, il y a plein de versions dans chaque coin de la même danse. Et ça, d'ailleurs, au Québec, mais vous avez des lanciers en Guadeloupe, vous avez des lanciers aux îles Seychelles, vous avez des lanciers à Moscou. Ça s'est répandu partout. Donc, partout où l'Empire britannique a été, d'une certaine manière. Je me trompe-tu? Pas uniquement, parce que les lanciers... En fait, ça, c'est une bonne question, parce que la princesse Eugénie à Paris, dans la deuxième moitié du 19e, elle était à Paris. La danse, en 1815, ça n'avait pas trop marché, cette affaire-là. Mais la princesse Eugénie l'aimait bien. Alors, dans les années 60-70, elle a remis ça à la mode et c'était à Paris. Donc, c'est dans toutes les villes, les grandes capitales. Les grandes capitales de cette époque-là, Vienne, Paris, Rome. C'est partout, c'est ça. Et vous, là, vous êtes un jeune homme, là. Comment qu'on devient maître de la danse? Moi, j'ai jamais vu ça comme cours au cégep, là, ou à l'université. C'est où qu'on apprend ça? Puis d'où est venu l'intérêt de votre part? Ben, en tout cas, il y a des cours à l'université parce que j'ai enseigné au bac en danse à l'UQAM depuis 1983, 4. J'en suis étonné. Je savais qu'il y a des cours de danse, mais je savais pas qu'on enseignait des formes plus anciennes. Ben là, ils ont arrêté, mais pendant un bout de temps. J'ai aussi parti, je suis une des trois personnes qui a parti le DEC en musique trad à Joliette. Mais ça, il touche pas beaucoup à la danse, mais un peu la musique de danse. Donc, actuellement, je dirais que le SBQ, qui est l'École supérieure de danse, ils font de la danse ancienne. D'ailleurs, mon épouse, Anne-Marie Gardette, enseigne souvent des formes anciennes. Elle est spécialisée plus en danse baroque. Alors, mais c'est sûr que je dirais que dans le cursus officiel au Québec, c'est sans doute un manque. Il n'y a pas de formation sur les danses traditionnelles et anciennes.
ça fait partie de notre patrimoine, comme notre nourriture traditionnelle, comme notre chanson traditionnelle. Il faut l'apprendre. Mais moi, je me rappelle qu'il y a comme eu un regain de ça, des années 70, là, début 80. Ben, disons que le premier référendum a comme diminué les ardeurs de beaucoup au niveau de la tradition. Mais est-ce que, moi, je sens qu'un retour à ces choses-là, à la musique traditionnelle, les danses, tout ça, est-ce que c'est vrai qu'il y a plus de gens qui s'y intéressent qu'avant? Quoi, il y a un gros retour depuis une bonne vingtaine d'années. D'ailleurs, on a juste besoin de regarder le nombre de groupes. La discographie, c'est pléthorique, là. Il y en a énormément. Alors, c'est, je dirais que depuis la fin des années 70, prenons les groupes comme Vent du Nord, Jean du Corum, il y en a plein de groupes qui tournent. Généralement, quand il y a un engouement pour la musique traditionnelle, là, on ne parle plus de danse et de musique ancienne, on parle de traditionnelle. Quand il y a un engouement, ça commence avec la musique. Et ensuite, la danse suit, parce que les gens, évidemment, aiment ces musiques-là, puis si, tiens, on pourrait danser dessus. Alors, oui, il y a les grandes veillées de l'avant-veille, ça fait 20 ans que ça se fait, là, à Montréal, où il y a 600, 700 personnes. Il y a des veillées de danse, comme les veillées du plateau à Montréal, ça fait 41 ans que ça dure, mais avec des bas, des hauts. Il y a eu un petit bas, comme vous dites, dans le milieu des années 80, après le référendum, mais là, c'est remonté. Fait que là, je voyais, moi, les gens, parce que, tu sais, moi, j'ai 48 ans, je voyais des gens plus jeunes que moi. La danse, puis là, je vais peut-être commettre des sacrilèges. Les danses sociales, les danses anciennes, moi, j'ai été élevé dans la génération qu'on danse, on bouge, puis on bouge un peu, je dirais, n'importe comment. Il n'y a pas de pas, il n'y a pas de... Est-ce que les gens sont réceptifs à se faire diriger? Je voyais tantôt placer les gens. Les gens, sont-ils réceptifs à ça? Oui, mais déjà, il n'y a pas de pas. Quand on dit danse sociale, on ne parle pas de danse latino, là, cha-cha, rumba, danse sociale. Ben moi, quand j'étais jeune, on dansait. Là, c'est ça. Y avait pas, on ne dansait pas en couple, on faisait des slows. Puis oui, c'était, bon, mais ces danses sociales-là, danse latino, il y a des pas, il y a des rythmes, la danse traditionnelle aussi. Fait que c'est ça, les gens sont-ils réceptifs à se faire diriger dans leur manière de danser? En fait, c'est pas tant une question de direction, parce que une fois qu'on a appris le pas, prenons les danses sociales à deux, qu'on fasse du tango ou d'autres choses, une fois qu'on a les pas, on ne sait pas diriger, ça se passe dans le couple. Les danses de couple, ça se passe dans le couple, hein, la valse, la musette, il n'y a pas de direction, mais il faut apprendre. Mais ça serait comme de dire, il faut apprendre du vocabulaire pour s'exprimer. Hein? Fait que c'est sûr que juste se promener d'un pied à l'autre, moi aussi, j'en ai fait dans un party, mais à un moment donné, la danse, c'est plus que ça. Ça nous prend du vocabulaire. Alors, apprendre du vocabulaire, c'est jamais néfaste, tant pour la langue que pour la danse. On vient tellement à le maîtriser que ça devient naturel. C'est comme, moi, je vais faire un parallèle avec un instrument de musique. Tu sais, je m'en rends même plus compte, je fais des accords sur ma guitare, puis ça va bien. Puis le fait, est-ce qu'on a vécu, bon, dans ce domaine-là comme dans d'autres, tu sais, le retour d'éveiller, le retour d'être ensemble, ça doit avoir de l'impact. Les gens ont le goût de faire des affaires ensemble. Oui, c'est ça, parce que là, on parlait des pas, mais c'est surtout l'intérêt souvent qui est marqué pour les danses traditionnelles ou les danses anciennes, les danses de groupe, c'est que c'est un jeu, un amalgame assez fin de pas qui va sur la musique, mais aussi de relations sociales prédéfinies, mais qui laisse de la liberté un peu à chacun. Hein, parce que danser tout seul, c'est bien, mais danser avec... On fait un set carré, on fait un quadrille, c'est comme on danse avec notre partenaire, on fait des choses avec elle. Ah, on s'en va avec la voisine du coin. Ah, on s'en va avec le couple du fond. Après ça, on danse tout le monde ensemble. Il y a un aspect communautaire, social, évidemment, qui est beaucoup plus fort que de danser tout seul. Donc ça aussi, c'est rechercher ce jeu social-là. On va se le dire, la danse, c'est une manière de rencontrer aussi, là. Il y a des couples qui se forment de cette façon-là. Puis moi, ce que je trouve intéressant dans des danses de groupe comme ça, c'est même si tu n'es pas accompagné, tu peux danser en groupe. Ah oui, tout à fait. Et d'ailleurs, en plus de ça, on pourrait dire, ça c'est assez étonnant, je vois ça dans les dernières années, il y a souvent eu des préjugés, ah, les gars, il ne faut pas que ça danse ça. Mais actuellement, on remarque que ma femme et moi, on s'est rencontrés, on est deux danseurs. C'est un exemple. Le bon exemple est appuyé. C'est ça. Parce qu'actuellement, il y a certains cours, on a plus d'hommes que de femmes. Donc, il y a peut-être certaines formes de danse auxquelles les hommes vont moins aller, mais pour les danses
social. Quand je dis social, c'est danse traditionnelle parce que c'est très social, c'est communautaire. Où on a beaucoup d'hommes, mais c'est aussi d'autres formes de danse. Moi, si j'étais plus jeune, hein, je ferais du breakdance. J'adore ça. Donc, toutes les formes sont bonnes, mais c'est sûr que l'aspect communautaire, des quadrilles, des cotillons, des contredanses est manifeste. Bien intéressant. Moi, j'ai appris des affaires, puis je suis sûr que les gens qui nous regardaient ont bien appris des choses. Puis si on veut en apprendre davantage sur vous, sur les danses anciennes et traditionnelles, est-ce qu'on y a des outils? Êtes-vous présent sur les médias sociaux, sur le web? Oui, certainement. Là, notre compagnie, mon épouse et moi, c'est Danse Cadence. Et le site web, il est très dur à retenir, c'est danse.qc.ca. Danse Québec Canada, c'est nous. C'est pour ça qu'on n'a pas les cheveux très foncés. Alors, vous allez sur danse.qc.ca et vous allez tout savoir. C'est bien intéressant. Merci. Merci. Au revoir. Miss.